première édition, l'idée c'était un peu de célébrer d'une part les 20 ans de l'association et puis aussi la sortie du Covid, quoi, de fêter le retour au festif. Et également de promouvoir un peu la scène skate grenobloise, donc mettre en avant un petit peu tous ces acteurs, de montrer que ça bouge quand même beaucoup à Grenoble. On est très motivés. Et l'idée c'était d'étaler ça sur une semaine pour aller un peu sur tous les spots de l'agglo, faire découvrir un maximum de personnes et en donnant des initiations un petit peu de partout. Et de faire vivre la scène skate sur l'agglo, quoi. C'est plutôt une journée pour mettre en lumière le sport féminin et notamment la pratique du skate féminin et minorité de genre. Et aussi, du coup, là pour cette fois-là, donc la première fois, le roller. Et puis là, c'est aussi un événement dans le cadre d'un festival entier d'une semaine où tous les autres jours sont ouverts à tout le monde. Et donc l'idée, là, c'est vraiment d'avoir un jour où on met en avant les femmes et les minorités de genre. Les gens, du coup, se sentent plus... aptes à s'inscrire parce que d'habitude on ose moins ou on a peur d'être jugé, je sais pas, en fait tout plein de choses qui sont dues au fait du peu de présence des femmes et minorités de genre dans les skateparks. Donc là l'idée c'était vraiment de laisser la place à ces personnes-là.